travail est loin de nos trois grands mots, le vice, l'ennui et le besoin. Mesdames et messieurs, vous faites bien de regarder Canada International, c'est l'édition de la mi-journée qui s'ouvre à vous. Voici le sommaire. Deux policiers tombent sous les balles des séparatistes à Bamenda. Ils étaient sur la piste des terroristes qui ont assassiné leur collègue Paul Ouaha il y a quelques jours. Ils sont tombés dans une embuscade tendue par leur bourreau. Autre localité, même menace, des quartiers de Yaoundé, Douala, Ngaoundéré, etc. sous la menace d'affaissements de terrain qui ont fait des morts à Bafoussam 3. Taux d'urbanisation en hausse, soit 52% en 2010 selon la CODAS Caritas. Cette urbanisation rapide s'accompagne de nouveaux défis qui seront examinés les 4 et 5 décembre prochains lors de la première édition du Salon des villes et toits du Cameroun. Bientôt la deuxième édition du film Camerounais Awards, cérémonie de récompense des acteurs du cinéma et plateforme digitale de référence en termes de cinéma camerounais. Les différentes articulations ont été présentées ce matin à Douala. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Ouvrons ce journal avec l'ouest du Cameroun, particulièrement Bafoussam. Sa Majesté Moumbé Fotso Mitterrand, chef supérieur Bamengoum et tout son peuple portent le deuil. Ils se sont rendus ce matin sur le site du sinistre malgré la forte averse qui s'est abattue sur la ville. Écho de cette chaîne de compassion et de solidarité qui s'est formée conformément aux us et coutumes bamiléké, c'est avec Walter Betron. Dimitri Kouité. Bonjour Robert Charles Itok. La chaîne de compassion et de solidarité s'intensifie sur le site du drame. Sa Majesté, un jour aussi malheureux que celui-ci, qu'est-ce que vous avez dit concrètement? Qu'est-ce qui justifie votre présence? Oui, ma présence ici en ce lieu du sinistre en Wash 4, bloc 6. Ce matin, c'est pour faire le deuil, c'est pour porter le deuil. Comme en tradition bamléké, quand un deuil vient de se venir, on doit courir pour pleurer le deuil en attendant organiser les funérailles en temps opportun. Donc, après ce deuil, j'ai tenu un petit discours pour informer les populations, à savoir qu'il y aura les rites traditionnels qui vont être effectués sur le site. Question de purifier le site afin que dans la zone, qu'aucune malédiction ne puisse poursuivre qui que ce soit. Le sénateur est descendu sur le terrain pour essayer d'évaluer la situation. Et surtout, la chaîne de solidarité s'intensifie et continue d'être à côté des familles fortement éprouvées. Bonjour sénateur. Oui, bonjour. Pourquoi vous êtes venu concrètement ce matin? On est venu tout près voir l'ampleur du désastre, évaluer la situation et voir ce qu'on peut faire pour aider la population sinistrée. Malgré la pluie, les pluies diluviennes qui se sont abattues très tôt ce matin, les fouilles complètement achevées depuis hier, chaîne de condoléances et de solidarité s'intensifie. Sa Majesté le chef supérieur Bamengoum, le sénateur Kangel Kam, ainsi que l'organisation de la société civile. Walter Bertrand, Dimitri Kouité, pour Canal 2 International. Merci Walter Bertrand pour ces informations. Poursuivons cette édition. Malgré l'effondrement des terres à Bafoussam, les populations vivent dans les zones à risque de Yaoundé. Sont prises de peur, contraintes par leurs conditions de vie difficiles, de vivre perchées sur les flancs des collines et des marécages. Elles ne savent plus à quel sein se vouer, vivre ou mourir malgré soi dans les zones à risque. C'est un reportage signé Constant et Brand Kanga. Dans les marécages d'Akokdoué, au bas, aux collines,
Certains habitants de Yaoundé vivent dans les zones à risque, non de gaieté de cœur, mais par obligation. Yaoundé, nous, on n'a pas là où se loger. Nous, c'est des bruits dans nos marécages. À 25 000 francs le mètre carré, moi, je n'ai pas de moyens. Je préfère le marécage. Parfois, je manque de moyens. Manque aussi des possibilités de payer un terrain là où la terre est plate. Après le drame de Bafoussam, la psychose règne dans les esprits. À Mankolo ou à Mankolo, de la capitale, les installations se font régulièrement de manière anarchique, sans la moindre étude géotechnique. Il faut avoir les moyens pour appeler un géotech pour venir sonder la terre et tout. Comme le pauvre que nous sommes, on ne peut pas faire, on peut pas voir, on n'a pas assez de moyens pour pouvoir faire cela. Il va mourir, tout le monde va mourir, même s'il y a éboulement, même s'il y a quoi, le poisson vit dans l'eau. Ce qui interpelle la responsabilité de l'État, malgré l'existence d'une direction de la protection civile au ministère de l'administration territoriale, dont les magistrats municipaux échappent souvent au contrôle des populations. Les gens s'installent malheureusement, parfois... On se demande comment ils font pour avoir les permis de bâtir. On est parfois surpris quand nous allons en mission qu'on nous brandisse des permis de bâtir. Et la mairie, parfois, se retrouve impuissante. Pour le maire de Yaoundé 6, dont la commune regorge plusieurs zones à risque, il faut renforcer le pouvoir des collectivités en la matière. Les mairies auront la possibilité vraiment d'avoir cette compétence-là, c'est la compétence d'élever les permis de bâtir. Et c'est en ce moment-là que, véritablement, les maires pourront jouer leur rôle. Des milliers d'abonnés vivent les leurs, sans savoir quand et comment s'arrêtera la colère de la nature. Autre lieu, autre menace, le spectre d'un éboulement de terrain plane en Gaoundéré où les habitations poussent sur le flanc des collines comme des champignons. Elles sont pourtant sous la menace d'une avalanche de pierres, mais les occupants n'en ont cure et font fi de la situation. Les détails avec Eringeli. La vie sous la menace d'un éboulement de pierres. Ainsi apparaît le quotidien des habitants des flancs du mont Gaoundéré, au quartier Bibakala, plus connu sous l'appellation quartier Onaref. Ceci se passe depuis des années au nez et à la barbe des autorités locales. L'occupation de ces zones est formellement interdite d'après la loi d'urbanisme de 2004. En réalité, c'est les zones inconstructibles. Et chaque jour, on voit à la veille, en une nuit, les constructions sont en train de pousser tout autour. On ne sait pas que faire. Comme une épée de Damoclès, il dompte les toits et donne des insomnies à ses voisins. Ces derniers qui accusent l'absence de lotissement en faveur des plus démunis depuis de nombreuses années. On a peur, mais quand on n'a pas un autre endroit pour rester, on va faire comment? On se bat avec. Nous déposons ces demandes, nous restons parfois même au niveau de la préfecture, personne ne réagit par rapport à ça. Le premier magistrat de la ville dément ses assertions et présente les actions entreprises pour assainir les pourtours du mont Gaoundéré. Dernièrement, nous avons quand même fait un lotissement du côté de Cerbera. On a satisfait plus de 500 personnes. Donc je pense que nous, actuellement, nous avons un dossier à la préfecture. On attend la saison sèche, on va faire une grande action, s'il vous plaît. Dégarpissement obligatoire. Toujours est-il que sans en avoir la compétence, c'est le chef du quartier qui a partagé des loupons de terre. Des langues indiscrètes disent même en avoir acheté à prix d'or. C'est le chef du quartier qui nous a donné ce terrain. On ne peut pas venir passer comme ça là. On nous a Les populations ont plusieurs fois été déguerpies tout le long du périmètre. Le mont Gaoundéré continue toutefois d'être envahi par des hommes qui n'ont cure des dangers qu'il peut représenter. Autre effet d'une intense saison de pluie, la rupture de la route transnationale Cameroun-Gabon sur le tronçon qui fait partie de la nationale numéro 9 à 15 km de la localité de Djoum au village Nkou dans le Dja et Lobo région du sud. Comme vous pouvez le constater en image, le torrent a eu raison de cette partie de la route au-dessus d'une buse qui a cédé en fin de matinée d'hier. La circulation a été provisoirement
entièrement rétabli grâce à une passerelle confectionnée à partir des troncs d'arbres sur la rivière Mbou. Plus tard hier, la situation est redevenue normale avec l'aménagement d'une voie en terre. Je vous propose de revivre la rupture de cette buse sur ces images amateurs. Autre zone à risque dans la ville de Douala, cette fois-ci à Lokbessou, un ravin menace la vie des riverains en dépit des mesures prises par l'État. L'affaissement des terres élargit le ravin, plusieurs domiciles et parcelles de terrain sont ensevelis et des dizaines d'autres sont en proie au risque d'effondrement. Les détails avec Monique Naoussi et Henri Tinda. Il y a moins de deux ans, ce ravin était une surface plate, abritant une quinzaine de maisons d'habitation et un terrain de jeu. Aujourd'hui, tout est englouti. Selon les riverains, tout est parti d'une mauvaise canalisation des eaux après l'aménagement de la route desservant Lokbessou, un quartier de la banlieue de Douala. Un temps record, tous les eaux qui viennent du marché, c'est ça qui montait vers Mifang. Mifang, c'est ça qui a dévié jusqu'à ce que toute la force d'eau est venue par ici. C'est pour ça que vous voyez ce ravin aujourd'hui. Et même s'il faudrait dire, on dit que les gens déguerpissent comment? On n'avait pas acheté les marécages à l'époque. Des dizaines de camions de moellons sont déversés pour remblayer. Mais ils sont progressivement ensevelis sous l'effet des eaux et de l'affaissement du terrain. On a apprécié quand on a vu le camion venir déverser les moellons. Mais au bout de quelques temps, on s'en est rendu compte que c'était rien de ça. Parce qu'après, il y a des eaux qui creusent le dessous et les moellons s'affaissent. Donc, et puis, le ravin il continue à s'agrandir. Pour prévenir le pire, des croix de Saint-André et des scellés sont apposées sur les maisons environnantes, demandant aux habitants de partir d'urgence. Que non. Je viens de Boya, où il y a la guerre, pour me réfugier ici. Et j'arrive ici, c'est comme si je retrouve une deuxième guerre. Le fait de prendre la maison deux semaines après, me demande de partir, ne sachant même pas où est-ce que je vais aller. On ne part pas parce que les bailleurs, en fait, ils exigent un montant très fort par rapport à leur maison. Donc, si ils peuvent, parfois, ils demandent un an, parfois deux ans, s'ils peuvent quand même réduire 6 mois ou 3 mois, là, ça peut faire quelque chose. Et à quelques mètres de là, les élèves d'un collège se recréent de manière insouciante, ignorant le danger qui la guette. Le taux d'urbanisation connaît une augmentation forte et régulière, soit 52% en 2010 seulement. Cette urbanisation rapide s'accompagne de nouveaux défis, notamment l'amélioration du cadre de vie des populations. La Codas Caritas accueille depuis ce matin une conférence de presse à son siège qui annonce pour les 4 et 5 décembre le salon Villes et Toits du Cameroun. Retrouvons sur place Lille Pidjouf et Henri Tinda pour plus de détails. Robert Charles Itok, l'amélioration des quartiers populaires devient une nécessité au Cameroun pour éviter de telles catastrophes comme ce qui se passe actuellement à Bafoussam dans la région de l'Ouest Cameroun. Et nous sommes ici à Terminus. C'est un quartier de la ville de Douala qui abrite depuis ce matin une conférence de presse qui annonce du 3 au 4 décembre prochain le premier salon des villes et toits. Donc l'objectif premier et de réglementer l'urbanisation dans nos villes et éviter qu'il y ait des évictions forcées. Une conférence organisée par le comité diocésain des activités sociales et Caritas de l'archidiocèse de Douala en partenariat bien évidemment avec le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Développement
urbain pour ce qui est de la ville de Douala. Le délégué régional était d'ailleurs présent. Je vous propose de l'écouter. Il revient sur la thématique de ce salon. En fait, le salon Villes et Toits, c'est beaucoup plus l'archidiocèse à travers le Caritas qui a mis en place ce projet qui devrait permettre au bout du compte de travailler avec des populations et de mettre en place tout un dispositif d'amélioration des quartiers défavorisés. Nos quartiers et nos villes ont de sérieux problèmes. Il faudrait bien qu'on se dise des vérités. Nous avons toute une réglementation qui a été mise en place depuis les textes de décentralisation de 2004 qui donne la gestion de l'espace urbain aux exécutifs municipaux. Mais grande est notre surprise que malgré les efforts qui sont mis en place pour que les commissions ad hoc chargées de délivrer les différents actes d'urbanisme ne soient pas toujours fonctionnelles. À retenir donc, le premier salon des Villes et Toits du Cameroun va se tenir du 3 au 4 décembre prochain à la salle des fêtes d'Akwa. Et le thème retenu pour cette édition, le potentiel des quartiers populaires. Depuis Terminus à Douala, Lille Piedjou, Henri Tinda pour Canal 2 International. Merci Lille Piedjou. Poursuivons ce journal de la mi-journée avec cette note triste due à la suite des exactions dues à la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Deux policiers ont été tués hier au lieu dit Nacho Johnson à Bamenda. Voilà, j'y viens. Les deux faisaient partie d'une escouade à mission pour arrêter le principal suspect de la décapitation d'un de leurs collègues, Moira Paul, il y a peu. Malheureusement, une escouade a été tendue aux forces de l'ordre dont le véhicule a été trimé de balles. Le principal suspect, quant à lui aussi, est décédé. Poursuivons avec la sécurité routière, l'agence Binam Voyage suspendue pour une durée de 3 mois éventuellement renouvelable suite à l'agression de l'un de ses bus dans la nuit de vendredi à samedi dernier. C'est la quintessence d'un communiqué de presse signé hier par le ministre des Transports. Décision respectée ce jour par les employés de cette compagnie de voyage. Constat fait ce jour à l'agence du quartier Manguier avec nos reporters Delphine Fonkoutené et Luc Vendon. Aucun bus sur la ligne de départ à l'agence Binam Voyage ce matin. Les clients, comme à l'accoutumée, arrivent, mais se heurtent à la décision du ministre des Transports. Quand je quitte de chez moi, je sais que c'est Binam. Maintenant, je ne sais pas par où je vais commencer. Je vais encore rentrer réfléchir. En effet, après l'agression survenue dans un bus de cette agence, dans la nuit du vendredi à samedi dernier, Jean-Ernest Massenangaleb Ibehe a signé un communiqué hier, 29 octobre, suspendant pour une période de 3 mois éventuellement renouvelable cette compagnie de transport interurbain. Une nouvelle difficile à digérer ici. Le monde est mal à l'aise, bon, il y a les tensions. Binam emploie plus de 200 personnes. Nous sommes tous au quartier comme ça, voilà les familles tous au quartier. Nous allons manger où? Nous allons vivre comment? Nous avons les familles derrière, regardez tout le monde qui sont là. De fait, tous les maillons de la chaîne, même les petits commerçants. Et si je vends un peu mon brochure pour pouvoir payer mon loyer et pour pouvoir aussi gagner mon pain au vie quotidien, on nous bloque pour 3 mois. On a beaucoup joué sur moi. Les activités sont à l'arrêt. Les employés venus vaquer à leur occupation débattent autour de cette actualité en mettant en exergue le caractère dangereux de l'Ars Yaoundé Obala. C'est un endroit très bien dangereux. Il y a toujours les agressions là-bas constamment. Le permis du chauffeur de ce bus a également été retiré. Celui-ci est en outre interdit de postuler à tout permis de conduire pendant 5 ans. Le personnel de Binam prie le ministre de revoir sa décision. Pardon, revenez un peu sur la situation. Ce que nous plaidons au ministre, c'est de revoir. La loi a dit. La loi a dit. Mais il y a les réalités du terrain. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, cette compagnie de transport a vite fait de créer son point d'embarquement à l'entrée de Binam Voyage Manguier. Toujours dans le secteur des transports, allons voir la situation du transport terrestre au Cameroun. Les acteurs de ce secteur présentent leur profession sous un tableau assez sombre et disent mourir à petit feu à cause des tracasseries et asphyxies
et asphyxiés par le prix très bas de transport. Ils sont riants ce moment même pour évaluer leurs problèmes et faire connaître à l'opinion publique qu'ils tournent à perte. Retrouvons là-bas Stéphane Binac et Yvonne Katiken. Tout à fait. Bonjour Robert et bienvenue ici à Accoua où sont regroupés depuis ce matin les acteurs du transport terrestre, les transporteurs donc se plaignent. Les plaintes sont donc nombreuses. Elles relèvent essentiellement des difficultés et tracasseries qu'ils affrontent le long du corridor Douala N'Djamena et Douala Bangui. Donc les transporteurs pensent travailler à perte. Le prix du transport est donc réduit, ne leur permet pas de couvrir toutes les dépenses afférentes au transport. Le prix du transport est donc bas et les transporteurs veulent revoir le prix, être revu à la hausse. Et ce matin, ils ont évoqué les nombreuses causes et conséquences. La première difficulté évoquée ici est naturellement le GPS avec la conséquence où il y a l'insuffisance du nombre de balises. Il y a également évoqué ce matin le comportement de certains fonctionnaires de douane qui imposent quelques frais supplémentaires à payer aux transporteurs. Il y a également les stationnements prolongés qui imposent également aux transporteurs de payer des frais supplémentaires. Il y a également le changement d'itinéraire. Et à ce changement d'itinéraire, la douane impose encore aux transporteurs de payer un certain nombre de frais. En tout cas, les plaintes sont légion, vous les avez écoutées. On va donner la parole à quelques transporteurs qui vont nous dire leurs difficultés, les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien le long du corridor Douala N'Djamena, Douala Bangui. Le problème, c'est la douane. C'est GPS. Et par voie, nous, on gagne que 100 000. La douane te frappe l'amende de 300 000. Or que... Et les camions attendent un mois, deux semaines, une semaine pour le jeu, pour GPS. Entre-temps, les clients au Tchad ou en Centrafrique, il attend sa marchandise, ça traîne. Le transporteur meurt véritablement. Quand tu investis et que tu ne peux pas avoir le retour d'investissement, tu t'arrêtes. La réalité est triste et sombre pour le transporteur qui peigne leur profession en noir. La situation est grave. Ils se sont donc retrouvés ici ce matin pour dire leur ras-le-bol et trouver des solutions aux préoccupations majeures. Et la plus grande préoccupation ici, vous l'avez suivi, c'est le prix du transport. En politique, depuis sa libération de prison le 5 octobre dernier, Maurice Kamto, président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, fait sa première sortie officielle mercredi, rendu au siège du MRC à Yaoundé Aoudia, à l'occasion d'une rencontre de l'organisation des femmes de son parti. Maurice Kamto a tenu à saluer l'engagement de la gente féminine en politique. Il exhorte les femmes de jouer un rôle décisif dans le changement du Cameroun. Je vous propose d'écouter un bout de la conversation de Maurice Kamto, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, avec les femmes de son parti. Extrait sélectionné par Brand Kamga et Séverin Fotso. Le Cameroun. Si la femme n'a pas toute sa place, c'est difficile. Et c'est vous qui tiendrez le Cameroun. Si la femme n'a pas toute sa place dans le Cameroun, de demain le Cameroun. Ah. 51% de la population camerounaise. Comment peut-on faire sans de la moitié du pays? Vous ne serez pas réduit à vous aligner au bord de la route pour applaudir les autres. Vous devez être au cœur. Les membres de la cellule de traduction du ministère de la Justice échangent leur expérience depuis ce matin à Yaoundé. C'est à la faveur de la Journée internationale de la traduction, événement célébré pour la toute première fois dans le département ministériel avec un décalage. Les travaux placés sous la coordination du secrétaire général du ministère de la Justice connaissent la présence des invités spéciaux que le ministre délégué
au Minjustice et le secrétaire d'État chargé de l'administration pénitentiaire. Une édition célébrée cette année sous le thème « La traduction et les langues maternelles ». Sous l'importance de l'événement, je vous propose d'écouter un extrait du discours d'ouverture du secrétaire général du ministère de la Justice, Joseph Fonkoué, l'extrait sélectionné par Delphine Fonkou-Téné. Contribuer au dialogue, à la compréhension mutuelle, à la coopération, au rapprochement entre les peuples et les nations, permettant ainsi de maintenir un climat mondial favorable à l'avancée du débat dans les discours publics et interpersonnels. En culture, bientôt la deuxième édition de la LFC Awards, cérémonie de récompense des acteurs du cinéma, une plateforme digitale de référence en thème de cinéma camerounais. Elle offre désormais aux cinéphiles et professionnels une cérémonie de récompense de talent du cinéma camerounais. La promotrice Françoise Elon était face aux hommes des médias pour présenter les articulations de cette deuxième édition. Mireille Flore, Defofotso et Marius Grosso pour plus de précisions. 20 prix seront décernés à la deuxième édition des LFC Awards. Annonce faite par Françoise Elon, promotrice de cette cérémonie de récompense des acteurs du cinéma camerounais, au cours de la conférence de presse tenue ce 30 octobre à Douala. L'objectif pour moi, en tout cas, c'est que les acteurs dont on prime soient vus et soient connus. Que ça leur ouvre des portes. Parce qu'en fait, quand on fait des films, on doit pouvoir côtoyer plusieurs réalisateurs. On doit pouvoir aller dans plusieurs pays, rencontrer d'autres cultures et faire des films avec d'autres personnes. C'est ça un acteur, en fait. Donc vraiment, LFC Awards est là pour que si vous avez, par exemple, un film que vous faites et que vous cherchez peut-être un ingénieur du son, le fait d'avoir le meilleur son au LFC Awards peut vous pousser à contacter cet ingénieur du son-là en particulier. Le jeu des questions-réponses a permis aux journalistes de mieux cerner le concept et les enjeux de cette deuxième édition. C'est en regardant l'année dernière, effectivement, la sélection et en me disant « Waouh, il y avait une Laura Onyama qui était extraordinaire dans tel film, elle avait un second rôle et c'était dommage de ne pas avoir eu l'occasion de comme ça la mettre en avant. » Donc c'est ça qui a donné l'idée des seconds rôles cette année. Il y a effectivement le fait que le meilleur film va certainement se retrouver dans tout le réseau au Canal Olympia. Et c'est pas des moindres parce que je pense que quand tes films sont primés, il faut absolument qu'ils puissent atteindre un public, il faut absolument qu'ils puissent être vus. Voilà. Donc il ne s'agit pas de primer et d'entendre parler et de ne pas savoir réellement pourquoi ou de ne pas avoir eu accès au film. La deuxième cérémonie des LFC Award vient consolider la contribution que les cinéphiles ont apportée au succès de leurs stars en 2018 et offrir à ces acteurs et actrices l'occasion d'être à nouveau récompensés par leur public. En sport, parlons de la MMA. Le Cameroun prêt pour la World Championships. Les fighters camerounais entendent ne pas participer en victime résignée à ce championnat du monde, mais plutôt en véritable conquérant. Alex Lembe et Francis Ngemna pour plus de détails. Nous reviendrons sur cette actualité sportive dans nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté vos oreilles. Ainsi s'achève l'édition de la mi-journée Canada International. Nous vous souhaitons de passer à tous un très bel après-midi. Au revoir et à demain, s'il plaît à Dieu.